Bonjour, moi c'est Roland. Je vous présente Marie-Françoise, ma femme. Nous élevons des cochons pour la filière J'aime de chez Fleury-Michon et vous allez pouvoir visiter notre élevage. Alors, assez discuté et en route pour la visite. Donc ici, nous nous retrouvons dans la maternité où, comme vous pouvez le voir tout autour de vous, les porcelets sont en train de téter leur maman, ou de dormir, ou de s'amuser. Ils sont nourris exclusivement du lait de leur maman. Et petit à petit, nous incorporons des céréales pour les habituer à une autre alimentation. Regardez comme ils sont jolis, mes porcelets. Je suis mignon, moi! Allez, maintenant, nous allons retrouver Roland qui se trouve au sevrage. À tout de suite! Parlons un peu alimentation. Pour nourrir nos cochons, nous disposons d'aliments différents qui sont adaptés à l'âge des animaux. Un peu comme une alimentation du nourrisson, en fait. Ces aliments sont composés de céréales, du blé, de l'orge, de l'avoine. Ils sont aussi composés de protéines de lait, ainsi que de protéines végétales, de colza ou de soja. Tous nos aliments sont fabriqués avec des céréales 100% françaises et certifiées sans OGM. Maintenant, allons nourrir les animaux. Après la maternité, le sevrage. C'est le moment où on va séparer les petits d'avec leur mère. Ils sont mis dans une salle chauffée avec leurs frères et sœurs pour limiter leur stress et on leur donne des jouets pour qu'ils puissent s'amuser et puis qu'ils aient des activités. Vous voyez, ils sont en pleine forme, ils viennent même jouer avec nous. Maintenant, poursuivons notre visite pour voir nos cochons poursuivre tranquillement leur croissance. À tout à l'heure! Excusez-moi, je passe. Découvrons ensemble la dernière étape de l'élevage du cochon, la croissance. Nous déplaçons les animaux dans des salles plus spacieuses pour qu'ils s'y sentent bien et la viande sera forcément de meilleure qualité. Chez nous, la spécificité, c'est l'élevage sur la litière pour encore plus de confort. Les animaux vont passer 3 mois jusqu'à la maturation. Maintenant, je vous laisse observer les 8 enclos. Je continue mon travail. Bienvenue, vous allez bien? Je me présente, je suis Laurent et je suis le directeur de ce site de fabrication de jambon Fleury-Michon. Avec mon équipe, nous allons vous faire visiter l'usine comme si vous y étiez. C'est parti! Alors, c'est ici que tout commence. Ici, sur ce quai, nous réceptionnons les viandes issues de nos filières de qualité. Le jambon bio, le jambon label rouge, le jambon oméga 3 et le jambon J'aime, vous savez, celui qui est fabriqué sans antibiotiques. La première étape va consister à contrôler la qualité des viandes qui auront été désossées et décoinées par nos fournisseurs. Attention, nous allons laisser passer l'engin.
Alors, je vous invite à me suivre pour vérifier justement cette première étape. On y va ? Pour cuisiner un bon jambon, nous sélectionnons les morceaux les plus nobles du jambon. 5 pièces qu'on appelle la semelle, la noix, la grosse noix, la pointe et le rangit. Vous voyez, sur cette chaîne, nous allons contrôler chaque pièce une à une pour vérifier que la qualité visuelle soit en tout point conforme à notre niveau d'exigence. Vous voyez ce que fait Pascal. Il va contrôler chaque morceau. Et le cas échéant, nous allons enlever les petits morceaux de gras et de nerfs qui pourraient rester sur le muscle. Je vais vous montrer autre chose. Katusha, ici, mesure le pH du jambon, ce qui nous permet de vérifier que l'animal n'a pas subi de stress pendant son transport et l'abattage. Tout ça pour garantir la qualité du jambon Fleur et Michon. Je vous invite à poursuivre la visite avec Anne-Julie, qui va vous parler des secrets de la fabrication du bouillon. Bonjour, moi c'est Anne-Julie, je suis responsable de la fabrication des bouillons. Vous êtes ici dans la salle des bouillons, où nous fabriquons nos propres bouillons de légumes, qui donnent cette saveur unique à nos jambons. Chez Fleur et Michon, chaque jambon a son bouillon de légumes. C'est en cuisinant la carotte, le poireau, l'oignon, accompagné d'herbes fraîches, comme le laurier, le thym ou encore le poivre, que nous obtenons nos délicieux bouillons. C'est notre tour de main pour donner du goût à nos jambons tout en réduisant le taux de sel. Mais chut, ça reste entre nous. Voilà, le bouillon est prêt. Attention, chaud devant. Je vous laisse me suivre. On va continuer avec Pascal pour la partie moulage. Ah putain. Bonjour Élodie. Bonjour, je suis Pascal, je suis responsable des méthodes de fabrication. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, on fait du moulage manuel, ce qui est notre spécificité. D'ailleurs, je vous invite à vérifier le travail d'Anthony et d'Élodie. Donc, ce moulage manuel va permettre d'avoir une texture parfaite et de fabriquer les produits que vous aimez tant. D'ailleurs, je vous invite à vous retourner. Ce produit a cuit 10 heures à l'étouffée à basse température. Vous pouvez constater que la texture est parfaite. Et d'ailleurs, on va pouvoir le trancher. Et je laisse Elena vous raconter la suite. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Elena et je suis responsable de la qualité chez Fleur et Michon. Le temps est venu maintenant de trancher les pains de jambon pour obtenir de belles tranches, comme vous pouvez le voir ici. Ces tranches seront ensuite déposées dans les paquets de jambon. Chez Fleur et Michon, l'hygiène est la priorité numéro 1. Regardez autour de vous, regardez notre tenue. Nous avons des conditions d'hygiène proches d'un bloc chirurgical. Parce que le jambon est mis et il faut le protéger des microbes. Regardez Cyril, cette tranche n'est pas parfaite et donc il l'écarte. Les paquets de jambon vont ensuite passer au travers de différents contrôles, comme celui du poids juste dessous nous. Puis ils vont passer au travers d'un scanner. Ensuite, ils vont traverser un rayon X. L'ensemble de ces derniers contrôles vont nous permettre de nous assurer une dernière fois que notre châssis de jambon ne contient pas de corps étrangers. La sécurité avant tout. Et voilà, votre paquet de jambon est prêt à partir dans votre magasin préféré. Nous espérons que vous avez aimé cette visite en réalité virtuelle de l'usine de fabrication de jambon. À très bientôt.